Bien manger, une notion différemment perçue par les Ivoiriens. Si pour certains, elle signifie se nourrir sainement, pour d'autres en revanche, bien manger, c'est tout simplement consommer de la nourriture agréable au palais ou encore manger à satiété. Pour moi, bien manger, c'est le fait de manger une alimentation bien équilibrée. C'est-à-dire une alimentation qui commence déjà par une entrée, un milieu et puis un dessert. Pour moi, bien manger, c'est de manger ce que tu vois. Tu manges ce que tu vois. Je suis rassasié, c'est le problème, c'est que j'ai bien mangé. Pour moi, bien manger, c'est quand je mange et puis je suis rassasié. Pourtant, la mauvaise alimentation est la porte ouverte à beaucoup de maux. Les maladies métaboliques, par exemple, trouvent leur source généralement dans nos assiettes. Il y a la malnutrition par défaut, à savoir tout ce qui est cochon-corps, malnutrition par déficit alimentaire. Mais il y a aussi la malnutrition qui est à la base des obésités et tout cela. Et nous constatons que dans notre pays, la population devient de plus en plus obèse. Inciter donc les populations à abandonner ces pratiques alimentaires nuisibles à la santé de l'organisme humain, c'est l'un des objectifs que s'est assigné la Société ivoirienne de nutrition. Elle initie des séances de formation et d'information sur les bonnes pratiques alimentaires. La sensibilisation de la population à travers, je veux dire, la communication, à travers des formations, à travers les médias, donc à travers un certain nombre de choses qui nous permettent de prévenir ces maladies-là. La Société ivoirienne de nutrition compte également prendre en charge les personnes victimes de malnutrition.